Blessures intérieures. Comment guérir des blessures intérieures? Alors, je demanderai vraiment votre attention. On évite vraiment la distraction. Car je crois que Dieu a quelque chose à faire avec nous ce soir. Seigneur, je compte sur ta grâce, sur ton onction, sur ton inspiration. Je ne sais pas enseigner, je ne sais pas prêcher. Je ne connais rien. Seule ta grâce me suffit. Je demande, Seigneur, que tu nous transportes dans une dimension élevée par ta gloire et par ton esprit. Et que tu rendes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette parole dans les cœurs des uns des autres et dans mon cœur, esprit et vie. Et qu'elle apporte, Seigneur, mon Dieu, la restauration et la guérison à cause de l'œuvre de la croix et par ton esprit. Au nom de Jésus, que toute activité de l'ennemi soit renversée, détruite, brisée, et que ton règne vienne en ce lieu. Fais ce que tu veux. Je vais être sensible, Seigneur, à la direction, l'orientation de ton esprit et accomplis ta volonté. Seigneur, voici tel que nous sommes, chacun avec ses difficultés, chacun avec ses problèmes, chacun avec son fardeau, et nous voulons nous déposer, les déposer à tes pieds et recevoir de toi le repos, la guérison, Seigneur. Que mes yeux et les yeux de toute l'assemblée sont tournés vers toi, et tu n'as jamais déçu, trahi tous ceux qui ont mis leur confiance en toi. Et je t'invite, viens en ce moment même, Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Embrase nos cœurs par la puissance de ta parole et par l'action de ton esprit. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre quelques textes. Le premier se trouve dans le livre de Psaumes, chapitre 103. Je vais beaucoup parler ce soir, et ensuite nous allons prier, et je crois que Dieu, par son esprit, va nous faire du bien. Psaume chapitre 103, verset 1er au verset 3. Ça, c'est le premier texte. Hymne de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Donc ici, nous voyons David qui bénit le nom de l'Éternel et il demande à son âme de bénir son nom. Parce que Dieu est bon pour lui, parce qu'il n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel est celui qui pardonne les iniquités d'abord de son âme et qui guérit son âme de toutes les maladies. Donc là, nous voyons que l'âme peut avoir plusieurs maladies qui nécessitent la guérison de Dieu. Psaume chapitre 147, psaume 147, toujours David. Psaume 147, verset 1 au verset 3. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux et il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem et il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et panse leurs blessures. Le verset 3 nous importe ici. Il guérit le cœur de ceux qui sont brisés, le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Voyez, il panse leurs blessures. De quelles blessures? Les blessures du cœur, les blessures de l'âme, les blessures intérieures. Luc chapitre 4, le verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. C'est le Seigneur qui parle après être revêtu de l'Esprit. Il dira, l'Esprit du Seigneur
L'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et enfin, nous lirons Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, le verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Équipe technique, si vous pouvez me donner un peu un bon son, montez un peu mon son, s'il vous plaît. Merci. Principalement sur le retour. Amen. Alors, nous voulons parler ce soir de comment guérir les blessures intérieures. Donc, il y a blessures et blessures. Blessures extérieures, mais vous avez aussi des blessures intérieures. Et nous voulons plus nous focaliser sur les blessures qui sont à l'intérieur, qui sont donc ainsi invisibles à l'œil. Pourquoi parler de blessures intérieures? Pourquoi parler de la guérison? Tout simplement parce que l'homme, vous et moi, nous avons besoin de guérison. Je vais m'expliquer tout à l'heure. La Bible nous enseigne que l'homme a été créé par Dieu et l'homme, en tant qu'être créé, formé par Dieu, et possède en lui, je dirais, est composé de trois parties. Ou encore, il est tridimensionnel. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7, que vous connaissez, il est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et par la suite, il va souffler dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme va devenir une âme vivante. Donc là, nous voyons trois parties qui constituent l'homme, l'être humain, vous et moi. C'est-à-dire que nous avons une partie qui est visible, qu'on appelle le corps, avec lequel nous sommes en contact avec le monde physique. Mais vous avez aussi le corps, je dirais, une partie invisible, qui est composée de l'âme et de l'esprit. Et pour comprendre, en guise de rappel, l'esprit est cette partie de l'homme que Dieu a mis en l'homme, avec lequel il va être en connexion avec le monde spirituel. Parce que l'homme est d'abord un esprit. Dieu a créé l'homme avec un esprit. Le souffle, on a dit en hébreu, on le dit roi. Donc le souffle dans la vie de l'homme, c'est l'esprit. Et cet esprit, c'est la lampe de l'Éternel. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, nous dit Job. Le souffle du Tout-Puissant qui l'anime. Donc tel que tu es, tel que je suis, j'ai en moi un esprit. Je suis un esprit. Et c'est avec l'esprit que nous entrons dans le monde, en contact avec le monde spirituel. Aussi bien le monde spirituel divin que le monde spirituel démoniaque. Pour ceux-là qui font des voyages astraux, etc. Qui sortent de leur corps pour aller envoûter, faire tout et n'importe quoi. Mais la Bible nous enseigne que Dieu est esprit. Jésus le dit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc lorsque nous nous assemblons pour adorer Dieu, lorsque chez toi à la maison tu rentres dans le culte personnel, dans la présence de Dieu pour adorer Dieu, ce n'est pas ton corps qui touche Dieu. Ce n'est pas la partie physique visible qui entre en contact avec Dieu, mais c'est plutôt la partie spirituelle. Alléluia. Cette partie permet d'entrer en contact et de célébrer Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle l'esprit. Et ensuite la Bible nous dit que l'homme est devenu une âme vivante. Dieu a déposé en l'homme ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est aussi cette partie invisible, mais qui est située entre l'esprit et le corps de l'homme. Amen. Entre l'esprit et le corps, vous avez ce qu'on appelle l'âme. L'âme qui constitue le siège des émotions, le siège de la volonté de l'homme, le siège des sentiments. C'est avec l'âme que tu aimes, c'est avec l'âme que tu prends des décisions, c'est avec l'âme que tu ressens, soit la douleur. Et les blessures intérieures constituent essentiellement toutes les lésions causées au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Pourquoi? Parce que ces deux parties sont invisibles. On ne le voit pas, mais c'est en toi. Et enfin, l'homme est constitué du corps, le corps qu'on appelle aussi la tente. Vous voyez,
cette habitation, cette enveloppe qui contient en lui l'esprit et l'âme. Amen. Quand on parle de la guérison divine, la guérison physique, c'est toute guérison qui constitue le corps. Ceux qui sont paralytiques, ceux qui sont aveugles, ceux qui sont sourds, ceux qui sont muets, toutes les maladies qui affectent le corps, la chair, nécessitent la guérison physique. Et Jésus guérit aussi tout ce qui est corps, parce qu'il est venu pour cela. Mais vous allez voir que la priorité dans le ministère de Jésus, ce n'était pas d'abord de guérir physiquement, parce que l'âme peut être guérie, plutôt le corps peut être guéri, mais l'âme demeurait dans les souffrances. Et vous allez voir que l'accent du Seigneur sera mis premièrement sur la guérison intérieure qui constitue la guérison des cœurs. Amen. Je veux dire à une personne, Jésus n'est pas d'abord venu pour te guérir sur le plan physique. Quoique la guérison physique est importante, la priorité pour le Seigneur, c'est d'abord de te guérir sur le plan spirituel, sur le plan intérieur. Alléluia. Prenez avec moi 2 Corinthiens chapitre 4. Et regardez ce que Paul va dire ici. Toujours en train d'introduire un message sur la guérison intérieure, des blessures intérieures. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. Regardez ce que Paul dit. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous voyez, il parle ici de deux hommes. Il parle ici de deux hommes. L'un est l'homme extérieur, l'autre est l'homme intérieur. L'homme extérieur, c'est le corps, c'est la tente. Il dit que si cette tente, si ce corps se détruit, c'est-à-dire se détériore, se dégrade par le fait de l'âge, du vieillissement, plus ça va, plus on prend de l'âge, plus ça va, plus sur le plan physique, on s'affaiblit. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, à un certain âge, tu n'auras plus la force de la jeunesse que tu as aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que le corps vieillit. Et plus on vieillit, plus on s'affaiblit, plus on se détériore. Il dit parce que, il dit, si notre homme extérieur se détruit, se détériore à cause des persécutions, des souffrances, mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc il va parler ici d'un renouvellement, d'une restauration, d'une guérison, mais de l'être intérieur. Et ce qui est important, bien-aimé dans le Seigneur, parce que si à l'intérieur de toi ça va, à l'extérieur ça ira. Mais si à l'intérieur ça ne va pas, même si tu fais tout pour que ça aille, ça ne marchera pas. Amen. Ne dormez pas s'il vous plaît. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Qu'est-ce que c'est la blessure intérieure? Par définition, une blessure est une lésion locale du corps qui est dû par l'action plus ou moins violente d'un agent extérieur. Quand on parle des blessures, on voit des souffrances, aussi des souffrances morales qu'une personne peut ressentir. Pourquoi? Parce que les blessures viennent du verbe blesser. Et blesser veut dire frapper ou encore percuter en faisant une plaie, une contusion, une fracture. Lorsqu'on vous blesse, on vous inflige une souffrance, on crée en vous une plaie. Et il y a des plaies qui sont visibles et il y a aussi des plaies qui sont invisibles. Pourquoi guérison intérieure? Parce que les plaies dont nous allons parler, ce ne sont pas des plaies visibles. C'est-à-dire à l'œil nu, vous ne pouvez pas les voir, mais elles sont là. Ces plaies, elles existent et elles ont des manifestations, elles ont des répercussions, elles se traduisent par un certain nombre de comportements. J'ouvre une parenthèse. La raison pour laquelle vous allez voir les gens, même qui viennent dans l'église, mal se comporter, bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas forcément parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que beaucoup d'entre elles, ces personnes, ont des problèmes, ont des blessures intérieures qui n'ont pas été guéries. Alléluia. Est-ce que tout le monde m'entend ce soir? Elles ont des problèmes intérieurs. Elles ont des blessures que à l'œil nu, vous ne voyez pas. Et si vous n'avez pas le discernement spirituel, si l'Esprit de Dieu ne vous aide pas, vous risquez de les condamner, de les blesser, de les rejeter. Alors que c'est des personnes qui, par leur comportement, sont en train de crier à l'aide. Mais ils ne disent pas ouvertement, aidez-moi. Mais ils se comportent mal. C'est maintenant à toi qui es spirituel, comme Jésus, ayant reçu l'onction pour guérir ce cœur. L'onction, ça ne sert pas à chasser les gens de l'église. L'onction sert à transformer les mauvais.
Jésus n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les prostituées, il est venu pour les gens de mauvaise vie. C'est pourquoi l'Église doit grandir dans la maturité pour ne pas avoir des réactions bizarres. Vous savez, comme dans certaines églises, hein, vous entrez, tout le monde regarde tout le monde bizarrement. Lui, il n'est pas bizarre. Lui, il n'est pas... En fait, en réalité, toi-même, tu as des blessures et tu penses que tout le monde a des blessures. Et quand c'est comme ça, on se blesse mutuellement. Personne pour guérir l'autre. Et il faut que ça change au nom de Jésus. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a des plaies. Il y a des personnes que vous voyez, elles peuvent rire, elles peuvent être bien maquillées, bien habillées, elles peuvent sourire, mais en réalité, elles cachent des lésions à l'intérieur, elles cachent des blessures à l'intérieur. Bien aimé, des blessures qui sont au-dedans, qui sont cachées, invisibles à l'œil nu. Les blessures intérieures, appelées aussi les plaies du cœur, sont toutes les souffrances qu'une personne a subies, ou une personne peut sentir encore dans son cœur, après des événements malheureux, douloureux, et qui ont des conséquences dans l'inconscience et dans la conscience. Et cela se manifeste dans la relation avec les autres, dans les comportements, dans le corps, voire même dans les pensées. Il y a des personnes qui ont de mauvaises attitudes. Il y a des personnes qui ont de mauvaises pensées, de mauvaises idées. Il y a des personnes qui ont même une logique de raisonnement déformée. Tout simplement, à cause des blessures qu'elles ont reçues dans leur vie. Et laissez-moi vous dire, même avant que nous venions dans le Seigneur, depuis notre naissance, nous avions connu des blessures. Dans nos familles, à l'école, partout. Et je vais essayer de développer certains types de blessures. Et vous allez certainement vous retrouver. Il y a même des blessures intérieures que vous cachez, mais vous ne savez pas que vous cachez ces blessures. Et vous avez besoin de la guérison. Et aujourd'hui, je déclare prophétiquement, ce soir, c'est une soirée de guérison. L'église sera transformée en un hôpital spirituel pour guérir les blessures intérieures au nom de Jésus. Touche ton cœur comme ça, dis, Seigneur, guéris mon âme. Fais comme ça, Seigneur, guéris mon âme. Quelqu'un va me dire, non, ce message n'est pas pour moi. Je te dis que c'est pour toi. Parce que quand je le préparais, je me suis dit, même moi-même, je suis concerné. Je suis blessé. Il y a aussi des blessés de guerre. Vous connaissez les blessés de guerre, non? Les chrétiens qui ont fait beaucoup d'assemblées partout, ils ont été déçus. C'est souvent eux là qui amènent trop de problèmes aussi. Les blessés de guerre. Mais même si tu es blessé de guerre, même si tu es un blessé de la vie, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Jésus. Amen. Jésus. Attachez vos ceintures. Les blessures de cœur intérieures sont des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs douloureux. Vous avez des gens, par exemple, qui ont connu des chocs tels que des accidents, des décès dans la famille, ou encore des séparations, des trahisons. Elles ont été trahies. Et ces personnes ont développé, ont mûri certaines douleurs, certaines plaies. Il y en a même qui les ont entretenues pendant des années sans être guéris. Dans le livre de Psaume chapitre 109, Psaume 109 verset 22 à 23, la Bible dit ceci, en parlant de David. David dit, je suis malheureux et indigent et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Combien sont ceux qui disent, Seigneur, au-dedans de moi, peut-être que les hommes ne voient pas, mais au-dedans de moi, mon cœur est blessé au-dedans de moi. Il dit, je m'en vais comme l'ombre à son déclin et je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. Quand vous lisez dans le livre de Ruth au chapitre 1er, tout le chapitre, Ruth chapitre 1er, tout le chapitre, vous allez voir comment cette femme Naomi a été blessée dans son âme à cause de la famine qu'il y avait à Bethléem. Il se rend dans le pays de Moab. Et là-bas, elle va prendre, alors qu'elle fuyait la crise, elle fuyait la famine, elle va immigrer. Et son immigration va amener la perte de son mari, le décès de son mari, le décès de ses enfants. Elle était devenue une femme malheureuse. Elle a même porté le nom de Mara, qui veut dire amère. L'amertume est souvent la caractéristique de tous les blessés. Tous ceux qui sont blessés intérieurement, vous allez retrouver une caractéristique fondamentale qu'on en parlera tout à l'heure, l'amertume. Les blessures intérieures atteignent souvent la profondeur de notre être et nous enlèvent la paix du cœur et l'amour pour soi-même et l'amour du prochain jusqu'à rendre notre esprit captif.
une personne qui est blessée à l'intérieur, elle perd premièrement la paix. Elle n'a plus la paix. Comment savoir que tu es blessé? Tu perds la paix. Elle perd l'amour. Elle ne s'aime plus. Combien ne s'aime plus tel qu'ils sont? Ou à cause des situations qu'ils ont rencontrées. Et ça entraîne également la perte de l'amour du prochain. Et si ce n'est pas guéri vite, cela peut amener à l'emprisonnement spirituel, c'est-à-dire à une possession démoniaque. Vous allez voir que souvent les blessures intérieures sont des portes d'entrée du diable. Les démons arrivent à posséder les gens souvent par les blessures intérieures. Et si tu ne fais pas attention et la blessure n'est pas guérie, tu peux être la proie ou la cible des démons. Amen. Amen. Les blessures intérieures consistent aussi en toutes sortes de chocs de notre être intérieur subi par le conscient et qui est reflé dans le subconscient. Et cela peut même commencer à notre naissance. Bien-aimé, les blessures, souvent, elles peuvent être conscientes. Tu peux être conscient que tu es blessé, tout comme tu peux ne pas l'être. Il y a des personnes qui sont blessées, mais qui ne le savent pas. Tu es blessé. Ben non, moi, je ne suis pas blessé. C'est toi qui es blessé. Tu es blessé. C'est au niveau de l'inconscience. Et c'est devenu comme une marque rouge au fer, comme une marque de flétrissure dans la conscience ou dans le subconscient. Et cela se traduit simplement par des mauvais comportements. Beaucoup de personnes qui ont des troubles comportementaux, de comportements, je dirais, c'est souvent issu des blessures intérieures. Amen. Amen. Et cela peut avoir des séquelles. Il y a des familles. Je donnerai juste un exemple dans la Bible. La famille de David, par exemple, qui a connu plusieurs types de blessures. La famille de David, David et ses enfants et sa famille ont subi des blessures intérieures graves. Premièrement, par l'adultère de David. David va tomber dans l'adultère avec Bathsheba. Et cela va causer des dégâts terribles dans sa vie, dans son ménage, dans sa famille. Au point où le diable est rentré, le mensonge est rentré, l'esprit de mort est rentré. Et David en a pleuré. Il a jeûné, mais Dieu était obligé de tuer cet enfant. Nous voyons le viol de Tamar. Tamar va être violée. L'inceste va rentrer dans la vie, dans la famille de David. Si vous lisez 2 Samuel chapitre 13. Tamar qui sera violée par Amon. Et cela va susciter la colère d'Absalom. Et Absalom va tuer son frère. Tout ça à cause des blessures intérieures. Bien-aimé, quand les blessures vous atteignent, vous pouvez poser des actes que vous n'avez jamais pensé. Vous voyez des gens peut-être aujourd'hui qui se lèvent, qui deviennent, je ne sais pas, les psychopathes comme on les appelle, qui se lèvent, qui commencent à tuer tout le monde. Mais on n'a pas le temps de vérifier dans leur vie qu'est-ce qui s'est passé. En général, ce sont le résultat des blessures. Et un matin, ils se lèvent comme ça, ils vont dans une école, ils commencent à tuer sur tout le monde. Blessure intérieure. Parce que s'il était bien dans son âme, il n'y aurait pas eu cette tragédie. Un homme se lève et il prend tout un appareil, un avion, il est fait crasher. Et on vérifie, il avait des problèmes. Blessure intérieure. Et bien aimé dans le Seigneur, on a tendance à régler le problème à la surface. Alors que Dieu veut que nous puissions aller dans les profondeurs, aller à la source, à la racine. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, notez très bien que les blessures intérieures rendent les hommes amers et désagréables. Les blessures intérieures rendent les hommes amers et désagréables. Plus ça va, plus tu deviens amer, l'amertume. Les blessures intérieures sont des plaies qui nous rongent. Elles nous détruisent à petit feu et viennent jusqu'à troubler votre sommeil. Il vous empêche de pardonner parce que vous vous croyez trop juste. Quelqu'un qui est blessé intérieurement pense que ce sont les autres qui doivent lui demander pardon. Lui, il ne doit jamais demander pardon à quelqu'un. Parce que lui, il est trop saint, trop juste. Lui, il ne fait pas de problème. Lui, il est toujours la victime. Il n'a jamais rien fait. En réalité, il ne fait rien. C'est la faute des autres. Dis à ton ami blessé. Est-ce que tu peux lui dire encore à haute voix blessé? Et les blessures intérieures éloignent les hommes de Dieu. Tu ne peux pas être dans l'état de blessure et être proche de Dieu. Ça t'éloigne de Dieu.
parce que tu ne penseras jamais positivement. Tu seras toujours négatif, pessimiste. Tu ne verras jamais la vie d'un bon côté. Tu verras toujours le mauvais côté de la vie. Il y a des personnes avec qui, quand vous parlez, mais vous avez envie de les fuir. Ils sont négatifs en tout point de vue. Va à l'école, non, je ne veux pas aller. Fais ceci, non, je ne veux pas. Il est négatif dans tout. Et quand vous analysez bien, il y a des blessures intérieures cachées. On devient amer. Et toutes les blessures nécessitent la guérison. Hébreux chapitre 12, verset 15. Regardez ce que l'auteur nous dit. Il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Lorsqu'on est blessé intérieurement, lorsqu'on a des blessures intérieures, on cultive, on arrose la racine d'amertume. Et lorsque cette racine pousse, la Bible dit que ça produit du trouble et ça infecte les autres. Une personne blessée a tendance à se regrouper aussi avec les personnes blessées. C'est difficile de voir quelqu'un blessé chercher la guérison. Il va chercher d'autres personnes qui sont dans le même problème que lui. Cette personne. Et ils vont se faire du bien. Alléluia. Dormez pas. Si le sommeil vous menace, levez-vous. Que Dieu vous bénisse. Et c'est une mauvaise réaction. Je suis blessé, on m'a fait du tort, j'ai mal. Au lieu de chercher la guérison, tu vas chercher quelqu'un qui est dans la même situation que toi. Et vous allez vous plaire dedans. Ah, tu sais, moi je suis blessé, hein? Moi aussi je suis blessé. Hein? Tu vois, hein? On m'a fait ceci, hein? Moi aussi, hein? On m'a fait cela. Mais en réalité, tu n'es pas guéri et tu n'iras pas à la guérison parce que tu te plais dedans. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu te plais dans le fait que tu trouves la compagnie des blessés. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Blessure intérieure. Les blessures intérieures infectent celui qui en est l'objet et fait souffrir les autres. Ça fait jaillir, ça détruit votre entourage et ça vous pollue. Et il y en a qui disent, je suis blessé, mais le temps me guérira. Beaucoup ont cru que le temps guérit les blessures. Laissez-moi vous dire, c'est faux. Le temps ne guérit jamais les blessures. Le temps va essayer d'atténuer un peu la douleur. Mais une fois la même situation que tu as vécue se reproduit, c'est comme si la plaie s'ouvre à nouveau. Amen. Non, le temps va guérir. Tu es blessé. Au lieu de chercher, je ne veux pas aller vers la solution, on va parler de ça tout à l'heure. Au lieu de venir au Seigneur, toi tu dis non, laissez-moi. Je vais d'abord rester à la maison. Je vais laisser passer le temps. Comme ça, avec le temps, ça va aller. Qui sont ceux qui réagissent comme ça? Avec le temps, ça va aller. Avec le temps, qui t'a dit que le temps guérit? Le temps ne guérit pas. Celui qui guérit s'appelle Dieu, Jésus. Celui seul capable de guérir les blessures de l'âme, les blessures intérieures. On se cache derrière le temps. Oh Seigneur, guéris-moi. Jérémie chapitre 15, verset 18. Je veux maintenant parler de la guérison. Pourquoi la guérison? Pourquoi est-ce que la guérison des blessures est-elle aussi importante? Pourquoi? Avant de développer les symptômes et les causes de blessures intérieures et pour finir par comment les guérir, voyons d'abord la guérison. Pourquoi cela est-elle importante? Jérémie chapitre 15, regardez ici la plainte du prophète Jérémie, le verset 18. Jérémie chapitre 15, le verset 18, il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Ça va, aide-moi à réveiller ton voisin. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Voyez, ici, Jérémie souffre tellement qu'il était blessé dans son âme et il
parle au Seigneur. Il dit à Dieu, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Elle avait une plaie vive. Il avait une plaie douloureuse. Mais qui nécessitait la guérison? Et dans Jérémie, chapitre 30, regardez encore ce qu'il va dire. Dans Jérémie, chapitre 30, nous lisons le verset 17. Là maintenant, Dieu lui donne la réponse. Dieu lui dit, Jérémie, écoute. Mais je te guérirai et je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Oh, quelqu'un n'a pas lu avec moi. Si tu avais lu, tu allais dire amen avec moi. Alléluia. Il pose la question, pourquoi ma plaie est-elle continuelle? Ma souffrance est-elle continuelle? Ma plaie douloureuse. Mais Dieu lui dit, mais je te guérirai. Dis à ton ami, je te guérirai. Dieu te guérira. Et il dit, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Et car il t'appelle à repousser cette Sion dont nul ne prend souci. Lamentation de Jérémie, chapitre 2, le verset 13. Lamentation de Jérémie, chapitre 2, verset 13. Bien-aimé, il y a plaie et plaie. Il y a blessure et blessure. Il y a des personnes qui ont des petites blessures. D'autres ont des blessures profondes. Amen. La guérison n'est pas pareille. L'approche, le remède pour chacun n'est pas pareil. Plus le dommage dans ta vie a été profond, plus la blessure sera profonde. Et regardez ici ce que Jérémie va dire. Que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouver semblable à toi? Et quelle consolation te donner, vierge fille de Sion? Regardez. Car ta plaie est grande comme la mer. Qui pourra te guérir? La plaie de Jérusalem était grande comme la mer. Vous imaginez la grandeur de la mer? Dieu compare la grandeur de la mer à la grandeur de la plaie que Israël avait, que Sion avait. Il y a des personnes qui ont des plaies tellement grandes. Lorsque tu as passé ta vie, que de souffrance dans souffrance, douleur après douleur, choc après choc, déception après déception, ta douleur est aussi profonde. Quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, il savait au fond de lui que cette femme avait connu déjà 5 hommes avec des déceptions. Il lui dira d'ailleurs, le 6e homme n'est pas ton mari. Vous imaginez une femme qui va avoir 5 hommes dans sa vie, quelle déception! Premier mari, divorce. Deuxième mariage, divorce. Troisième mariage, divorce. Quatrième mariage, divorce. Cinquième mariage. Tellement qu'elle était fatiguée. Elle dit non, maintenant ça ne sera plus le mariage. Maintenant ça sera le concubinage. Déception. Donc il y a des gens que vous voyez aujourd'hui, peut-être qu'ils sont dans le concubinage. Peut-être qu'ils vivent des situations difficiles. Garde-toi de juger parce que tu ne connais pas leur situation. Alléluia. Nous sommes trop prompts à juger sans avoir le cœur de Dieu pour mesurer la souffrance. Est-ce que tu peux mesurer la douleur de quelqu'un qui souffre? Dieu seul sait. Amen. Et malgré la plaie qui est comme la mer, Jésus dit qu'il est venu guérir le cœur brisé. Laisse-moi dire à une personne, la guérison ne viendra nulle part d'autre que de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez pourquoi? Parce que lui-même a subi les blessures intérieures. Jésus-Christ, nous dit Ésaïe 53, a été blessé pour nos péchés. Il a été frappé, humilié. Il a connu à la croix les blessures et intérieures et extérieures. Et par ses meurtrissures, c'est-à-dire par les blessures de Jésus, maintenant nous avons accès à la guérison. Quelqu'un ne comprend pas cette parole. Je dis que la guérison est possible grâce à l'œuvre de la croix. C'est parce que Jésus est monté à la croix. C'est parce qu'il s'est laissé frapper. Il s'est laissé humilier, flageller. Parce que ses mains ont été percées. Parce qu'il a blessé. Il a été blessé intérieurement et extérieurement. Au point où à Gethsémané, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Bien aimé, il a été oppressé. Il a été pressé là-bas. Et c'est par ses souffrances qu'aujourd'hui, la guérison est possible pour toi. Alléluia. Oh, j'aime Dieu.
Ceux qui sont blessés intérieurement, quelle que soit la profondeur, la largeur, la hauteur, quelle que soit la longueur de la plaie, quelle que soit la grandeur de la plaie, même si ta plaie est comme la mer, comme Jérémie 3 le dit, les douleurs de Jésus, les meurtrissures de Jésus sont capables de te rendre libre. Oh my God. Ça, c'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir. Que j'ai pour toutes les personnes qui me suivent ce soir. C'est que Jésus guérit les blessures intérieures. Amen. Tu n'as pas besoin d'un psychiatre. Tu n'as pas besoin d'un psychologue. Oh, je veux te dire la vérité. Même la relation d'aide n'est pas aussi puissante comme l'œuvre de la croix. Même la cure d'âme n'est pas aussi puissante que l'œuvre de la croix. Car à cause de son amour, rien que son amour peut te guérir. Bien aimé, cette femme, oh, cette femme adultère, ce jour-là, elle savait qu'elle était rejetée, elle était impure, elle n'était pas propre, mais elle savait que personne dans cette génération pouvait la comprendre. La Bible dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Mais cette femme, par la révélation, elle va reconnaître la main du Seigneur, elle va venir au pied du maître, elle va amener le parfum d'une valeur très élevée, elle va briser, elle va répandre sur Jésus, elle va pleurer. Et Jésus lui dira à cette femme, ses péchés sont pardonnés. Et partout l'évangile sera annoncé, on parlera aussi de cette femme. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la profondeur, vous savez, le regard de Dieu, ça n'a rien à voir avec le regard des hommes. Un homme peut te rejeter, mais laisse-moi te dire, Dieu ne te rejette pas. Dieu t'appelle tel que tu es et Dieu veut te restaurer. Dieu veut te rétablir dans la condition initiale. Dieu veut te donner un nom nouveau. Dieu va effacer toutes les mauvaises choses que les hommes avaient plaquées sur toi, toutes les mauvaises nouvelles que les hommes avaient dites sur toi, toutes les calomnies, toutes les murmures, les critiques que les hommes avaient proférées contre toi. Et Dieu est capable de te laver et de te donner un nom nouveau et de faire de toi un vase propre, un vase pur, un vase d'honneur, sanctifié, lavé, pur. Alléluia. Utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Ça, c'est la bonne nouvelle, frères et sœurs. La bonne nouvelle, c'est que Jésus ne regarde pas ton passé. Car beaucoup sont restés dans les blessures à cause du passé. Ils ne se détachent pas du passé. Ils vivent toujours par rapport au passé. Ce qu'on a dit sur eux dans le passé. Bien-aimé, Jésus avance. Jésus dit à cette femme qu'on voulait lapider. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. La guérison. Job chapitre 5 verset 18 nous dit, Dieu est celui qui bande et qui guérit les plaies, les blessures. Car la restauration, la guérison intérieure est la restauration de la paix, de la joie, de l'amour, de l'espérance intérieure qui résulte de l'intervention de Dieu sur les blessures intérieures, sur les pensées endommagées. Oui, sur la conscience et le subconscient chargé. Jésus dit, je vous donne ma paix. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Lorsqu'il te guérit intérieurement, il te redonne ce que le monde ne peut te donner. Car le monde ne peut pas te donner la paix. Le monde peut te donner l'argent, mais le monde ne peut pas te donner la paix. Alléluia. Le monde peut te donner une maison, mais le monde ne te donnera pas le sommeil. Il y a des gens qui ont des villas, mais qui n'ont pas de sommeil. Mais bénis Dieu, parce que même si tu n'as pas une villa, mais tu peux dormir. Alléluia. Alléluia. Et tu dois avoir la paix du cœur. Mes amis, la paix est mieux que tous les trésors du monde. Allez demander aux satanistes qui ne dorment jamais la nuit, ils vous diront. Toutes les nuits, ils doivent faire des incantations, des choses. Toi, tu es bien parce que sans effort, tu dors. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La guérison intérieure. La guérison des blessures intérieures. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons parler un peu des symptômes des blessures intérieures. Comment savoir ou quels sont les signes extérieurs qui démontrent que ou qui prouvent que je suis blessé? Vous savez, lorsque vous avez mal à la dent, par exemple, vous allez voir un médecin ou le dentiste. Vous allez lui dire, dentiste, écoutez, j'ai mal à la dent.
Le dentiste va vous poser un certain nombre de questions. Il peut même vous passer, comment on appelle ça là? Robert, comment on appelle ça? On vous passe quoi là, dans la bouche là? Une espèce de truc avec une lampe comme ça là. Hein? On regarde si... vous n'avez jamais eu la carie, si? Vous faites comme si vous n'avez jamais la carie. Alléluia! On vous passe un appareil et il vérifie si la dent n'est pas endommagée. Et si la dent est endommagée, qu'est-ce que le médecin va dire? Vous avez la carie. Bien. Donc, toi, quand tu vas voir le médecin, tu lui montres ta douleur. Mais c'est le médecin qui te dira ton problème. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu peux présenter des symptômes d'une maladie, mais il faut venir auprès de Jésus par sa parole et par son esprit, par des enseignements comme ceci, pour connaître les causes, alléluia, les racines, l'origine, la source des problèmes. Alors, nous allons voir un peu quelques... Alors, j'ai dit bien, attache ta ceinture. Hein? Si tu ne vois pas noter, écoute seulement, attache bien ta ceinture. Parce que je suis sûr que tu es concerné. Touche ton voisin comme ça, dis-lui tu es concerné, touche-le comme ça. Ok, je l'ai dit pour que ça te réveille un peu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons répartir les symptômes en deux catégories. Première catégorie, c'est vis-à-vis de toi-même. Ce que tu dis, ce que tu as comme attitude, réaction, comportement vis-à-vis de toi-même. Quels sont les symptômes qui démontrent que tu as des blessures intérieures? Lorsque tout le temps tu te dis, ah, moi-même là, je suis nul. Blessure intérieure. Sentiment d'être nul. Tout le monde est bon sauf toi. Nul. Blessure. Tu es là, tu ne t'aimes pas. Il y a des gens qui ne s'aiment pas tels qu'ils sont. Ils ont l'impression qu'ils ont un gros nez, de gros yeux, ou peut-être... Il y en a même qui cherchent à changer le teint de leur peau. Hein? Il est noir comme moi, comme ça. Et vous comprenez, non? Ça va? Écoutez, si vous êtes concerné, je vais préparer un message pour personne. Ne venez pas dire, ma soeur m'a ciblé. Amen. Non, dis à ton voisin, il n'a ciblé personne. Non, dis-lui à haute voix, il n'a ciblé personne. Parce que je sais, il y en a qui vont dire, non, lui, là, on lui a certainement dit tout ça, donc, il me parle, il m'indexe, ou il a un problème avec moi. Je n'ai problème avec personne. Si toi, tu as un problème avec moi, alors viens me voir au bureau tout à l'heure, on va régler ça dans la paix. Alléluia. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Ils se disent, non, il a un gros ventre, il est ceci. Tout ça, c'est le signe de blessures intérieures. Il y a des personnes qui disent, moi, je rate tout. Tout ce qu'il fait, il rate. Je n'ai jamais de chance, je n'ai pas de chance. Dans la vie, tout sourit à tout le monde sauf à moi. Blessure intérieure. Tu n'es pas venu accompagner les gens sur cette terre, tu es venu réussir comme tout le monde. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je ne fais que des erreurs. Là-bas, erreur. Là-bas, erreur. Tout ce que tu fais, c'est des erreurs. Rien ne marche, rien n'avance. Blessure intérieure. Je ne dis pas qu'on ne fait jamais d'erreurs. Mais toi, tu t'es dit à chaque fois, même pour t'engager dans l'œuvre de Dieu, tu dis non, si je fais, je vais forcément mal faire. Donc, ce sont des blessures intérieures cachées. Et c'est là. Il n'y a pas d'issue pour moi. Je n'ai pas d'opportunité. Tout le monde a des opportunités, sauf moi. Blessure intérieure. Tout le monde se débrouille bien, sauf moi. Donc, tu es toujours la victime. Tout le monde, ça va. Toi, ça ne va pas. Blessure intérieure. Alléluia. Je suis né pour perdre. Pour savoir que tu es né pour perdre, tu as une attitude pessimiste. Va déposer un CV. Je sais, de toute façon, on va pas m'accepter. Qui t'a dit qu'on ne va pas t'accepter? Alléluia. Alors que tu es né pour gagner. Chaque jour, quand tu te lèves le matin, il faut dire, je suis né pour gagner. Je croyais que l'église allait répondre moins. Amen. Vous êtes trop fatigué. Il a fait comme la chanson, la mémoire au dos, je suis... Alléluia. Je suis né pour gagner.
je vais réussir, je vais avancer. Mais toi, non. Tu vois déjà le désespoir partout. Blessure intérieure. On va comprendre pourquoi. Alléluia. Tout est de ta faute, la culpabilité. Moindre problème, ah non, c'est de ma faute. Blessure intérieure. Je ne suis pas assez beau. Je ne suis pas assez belle. Tu es obligé de rajouter des faux cheveux, des faux ongles. Il y en a même qui vont jusqu'à mettre l'anneau pour dire à ton ami blessure intérieure. Alléluia. Pardonnez-moi. Je sais qu'il y a des sujets sensibles. Amen. Amen. Je suis trop maigre. Je suis trop petit de taille. Je suis complexé parce que je suis petit. Tout le monde est grand. Moi, je mesure 1m50. Je suis comme un pygmée. Blessure intérieure. Et vous allez voir les gens qui sont souvent très courts, ils ont un complexe. Soit ils mettent trop de talons, soit ils veulent toujours devenir grands, ou soit ils font des choses qui ne sont pas à leur âge ou à leur hauteur. Parce qu'il y a des blessures intérieures, ils cherchent à prouver, à démontrer. Dis à ton ami, blessure intérieure. Je ne suis pas assez intelligent. Moi, je suis trop paresseux. Alléluia. Je n'ai pas de diplôme, donc je ne peux pas réussir. Donc on conditionne la réussite au diplôme. Certes, il faut étudier pour avoir un diplôme, mais la réussite ne dépend pas toujours des diplômes. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école pour ne pas avoir de diplôme. Mais je veux dire que tous ceux qui réussissent dans la vie n'ont pas de diplôme. Il y a des gens qui ont des diplômes, vous allez en Afrique par exemple, il y a des gens qui ont des diplômes, mais ils sont, on les appelle les pousse-pousse. Ils poussent les charrettes là. Parce que la vie ne dépend pas toujours des diplômes. Alléluia. Je n'ai pas confiance en moi. Je suis trop timide. Je manque d'assurance. Blessure intérieure. Je suis complexé. Le complexe. Quand tu arrives à un endroit, tu veux... Vous avez déjà vu un chien qui a honte. Un chien qui a honte se fait tout petit et il prend sa queue, il la met entre les jambes, les pattes, et il s'en va tout doucement. Milou se retire parce que... Alléluia. On a vu ça. Tu arrives dans un endroit, on dit ici, attention, chien méchant, on n'entre pas. Mais quand toi, tu es un gang, tu entres comme ça, il aboie, et tu t'approches. Comme ça, complexe d'infériorité. Je ne suis jamais à la hauteur. Qui t'a dit que tu n'es pas à la hauteur? Entre cela et toi, vous n'avez pas des yeux? Il a des yeux, tu as des yeux. Il a une bouche, tu as une bouche. Il a un cerveau, tu as un cerveau. Personne n'est plus grand que toi. Tu dois sortir ça de ta tête. Sinon, c'est des blessures intérieures. On va comprendre. Là, je parle des symptômes. Tout à l'heure, je vais arriver dans les causes. Alors, maintenant, vis-à-vis des autres, quels sont les symptômes vis-à-vis des autres qui prouvent qu'il y a des blessures quelque part? 1. L'esprit critique. Quelqu'un qui est là, il ne fait que critiquer tout le monde. Alléluia. Je ne parle pas de critiques positives, constructives. Il y a des critiques constructives. Il y a des gens qui ont un esprit critique et vous aident à avancer. Vous voyez, vous n'êtes pas bien habillé, il faut faire ça. Vous n'êtes pas, regardez, faites attention à ça. Ils vous aident à évoluer. Mais ce sont des critiques qui n'apportent rien, mais qui ne font que te décourager. Il y a des gens comme ça, des spécialistes de critiques, mais ils ne font rien. Nous, on a connu des gens comme ça. Dans le travail, ils critiquent le travail de tout le monde, mais ils ne font rien. Blessure, quand tu vérifies, blessure intérieure. Tu as l'habitude de critiquer tout le monde? Blessure. Tu es incapable de voir les bonnes choses dans les autres. Tu es blessé. Seul un blessé ne voit jamais les bonnes choses. Toi, tu ne vois que les mauvaises choses. Ma soeur, ah non, la soeur, elle était belle cette soeur là à l'église. Oh mais non, tu n'avais pas vu ses ongles. Elle avait mis les rouges à lèvres et le vernis, ça ne concordait pas. Vernis bleu, rouge à lèvres, rouge. Donc tu es là, tu n'observes que les défauts.
Il y a ton ami blessure. Non, aide-moi à dire à ton ami blessure intérieure. Et on a beaucoup de blessés comme ça à l'église. Hein? La prédication, le pasteur prêche bien. Ah mais non, il a fait trop de fautes d'orthographe. Donc toi, tu n'écoutes que là, ce que tu as retenu de la prédication, le pasteur a dit là au lieu de le. Donc tu es sorti avec ça. Ah mais non, le pasteur, il faut qu'il retourne à l'école. Alléluia. Blessure intérieure, esprit critique, allons-y vite. Jalousie. La jalousie. Jalousie. Tu penses que les autres sont mieux que toi. Tu veux avoir ce que les autres ont. Alors que toi aussi, tu as quelque chose de Dieu que tu n'as pas encore découvert ou encore exploité. Un jaloux, c'est celui qui ne voit pas ce qu'il a, mais il voit toujours ce que les autres ont et il cherche à voir ce que les autres ont. Alors que tu as quelque chose. À l'église, tu n'es pas prophète parce que l'esprit prophétique a saisi quelqu'un. Toi aussi, que Dieu m'a dit, mais non, Dieu ne t'a pas parlé. C'est par jalousie que tu veux prophétiser. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'apparemment, quand on prophétise, ça nous donne, ça fait du bien quoi. Hein? Ça nous rend TTS, très très spirituel. On est au ciel quoi. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de prouver que Dieu est avec toi par la prophétie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La jalousie. 20 Timothée s'habille comme ça. Toi aussi, dis non, non, moi je vais l'écraser. Tu n'arriveras pas parce que lui, il travaille à la mode. Il est chez Lacoste là-bas. Tu vas te dépouiller parce que lui, là, tu vends des 50% de réduction. Tu vas déposer tout ton argent là-bas. Alléluia. La jalousie. Dis à ton ami la jalousie. Dis-lui encore la jalousie. Je dis ces choses parce que ce sont des choses qui nous rongent. Pas seulement à l'église, au travail, à la maison, dans notre entourage, à l'école, partout. Autre chose, esprit possessif. Tout doit être pour toi. Il y a des gens comme ça, ils sont très possessifs. Quand il est avec toi, il ne veut pas que tu sois avec quelqu'un d'autre. Il y en a même à l'église, ils veulent que les pasteurs soient seulement pour eux-mêmes. Mais non, il est le pasteur de tout le monde. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y en a maintenant. De toute façon, le pasteur, c'est Dieu, il ne me calcule plus. Hein. Donc, forcément, il a un problème avec moi. Je n'ai pas de problème avec toi, sauf que je suis le pasteur de tout le monde. Dis à ton ami, blessure intérieure. Tu es trop possessif. Tu auras des problèmes même dans ton ménage. Ton mari n'est pas rentré à 20h. Il a eu le bouchon. Tu es où, Jean-Pierre? Tu es où, Jean-Pierre? Mais non, laisse Jean-Pierre tranquille. Il est dans les bouchons, il arrive. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Vous ne dites pas amen parce que je crois que ça vous concerne. Alléluia. Je disais ce soir que tout le monde est concerné. Trop possessif. Quand tu as ton fiancé en ligne, mais tu le prends 3 heures, il n'a même plus le temps de prier. Il faut seulement qu'il soit avec toi. Tu es possessif, tu es possessif. Il y a des blessures, il y a un manque là. Ça mène un manque dans ton cœur. Et ce manque, ce n'est pas le fiancé qui doit le combler, c'est la présence de Dieu qui doit combler ça. Est-ce que tu peux faire comme ça? Dis merci Jésus. Fais comme ça, merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Il y en a, c'est la volonté de tout contrôler. Tu es là, tu aimes contrôler tout le monde. Ah non, moi dans cette maison, c'est moi qui gère. Tu gères qui? C'est l'esprit de rejet qui fait ça. Pour te sentir bien, il faut sentir que non, tu gères quoi? Amen. Est-ce que vous rencontrez ce genre de choses? Est-ce que vous voyez ce genre de choses peut-être autour de vous? Esprit possessif. Non. Et là, je parlerai même vous, les parents, ne possédez pas les enfants comme ça, comme si c'est une propriété privée. Non. Moi, les enfants grandissent. Maintenant, je commence à leur laisser petit à petit la liberté. Je sais que demain, ils partiront. Ils feront aussi leur vie. Toi, l'enfant part. Hey. Jeannette, tu es où? Tu as fait quoi à manger pour ton mari? Est-ce que tu as fait la vaisselle? Jeannette est mariée, laisse-la tranquille. Esprit de possession. Regarde ton ami, tu dois être délivré ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Gloire à Dieu. Le ressentiment, l'amertume, le ressentiment. C'est-à-dire, lorsque tu vois les autres réussir, ça ne te fait pas bien. Dans ton cœur, tu n'es pas bien. On dit que non, la sœur France vient d'acheter une dernière Mercedes. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, ce sont les signes de blessure. Quelqu'un qui est guéri dans son cœur est content de la réussite des autres. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Lorsque tu vois ton frère réussir, dis je bénis Dieu parce que mon tour aussi arrive. Toi, tu veux que tout le monde soit comme toi. Quelqu'un dit les noirs sont comme les crabes. Tu le mets tout dans une bassine, ils montent. Lorsque l'un monte, ils attrapent l'autre et ils descendent ici. On doit tous être au niveau zéro. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un mauvais esprit. Ce sont les blessures intérieures. Il faut qu'à l'église, qu'il y ait des gens qui soient des millionnaires, des milliardaires, qui aient beaucoup de moyens. Maintenant, si toi, tu es pauvre, dis, ok, je bénis Dieu pour les millionnaires, parce que s'il y a des millionnaires, au moins, ils vont me soutenir aussi. Amen. Toi, tu veux que tout le monde soit comme toi. Tout le monde soit piéton. Quand j'ai manqué la voiture ici, pendant ma voiture était en panne, quel frère m'a dit, ah, pasteur, tu es devenu comme nous. Il est content que je sois devenu piéton. Alléluia. Dans mon cœur, je ne l'ai pas attaqué. Je me suis dit, toi, t'as une prédication va venir pour toi. Blessure intérieure. Laissez-moi rire un peu. Il y a des personnes comme ça. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Je ne suis pas en train de dire ça pour vous accuser. Non, non, non. Le but de l'enseignement, c'est de nous réveiller, de voir où nous sommes, où nous situer, et arriver à la repentance, à la guérison. Amen. Amen. Sois content. On te dit que ta soeur s'est mariée. Alléluia, gloire à Dieu. Viens assister à son mariage. Viens l'aider. Elle s'est mariée. Pourquoi elle? Pourquoi avant moi? Moi, je suis à l'église avant. Qui t'a dit que pour être marié à l'église, il faut que ce soit les premiers qui doivent être servis? Parce qu'il y a des raisonnements comme ça. Nous, on était là depuis avant, on ne nous a pas calculé. Maintenant, elle vient juste d'arriver. Elle se montre quoi? Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Elle veut montrer que c'est elle la plus belle. Elle veut montrer celui... Non, elle veut rien montrer. Ce n'est que sa grâce, ce n'est que son tour. Toi, tu as des blessures intérieures liées au célibat. Oh, ce soir, c'est chaud. Je disais que ce soir, c'est chaud. Touche ton voisin, dis-lui, Dieu t'aime. Touche-le comme ça. Je dis les deux termes. Amen, amen, amen. Oh, je dois aller vite parce que, à cause du temps, l'orgueil, la suffisance. Vous avez des gens qui n'ont rien, mais ils veulent donner l'impression qu'ils ont. Ce sont les signes de blessure. Tu veux, hein? Il y a des gens comme ça, ils n'ont rien. On m'a raconté l'histoire d'un pasteur. Il n'a pas beaucoup d'argent, mais quand il voit ses collègues pasteurs, il dit, est-ce que vous avez transféré le conteneur de 3 millions de dollars? Mais, incapable de régler une chambre d'hôtel avec sa carte bleue. Bien aimé dans le Seigneur, tu veux... quelle impression tu veux donner aux gens? Tu veux donner aux gens que toi tu es le comment on appelle ça, le mopao, le président, le préso. Mais en réalité, il n'y a rien. Blessure. C'est des gens tellement complexés. Vous allez en Afrique, vous allez voir, il y a des gens quand ils passent comme ça, on les appelle Obama. En fait, ils aiment ça. Ils aiment des titres. Mais en réalité, il n'y a rien. Prézo. Yeah. Alléluia. Alléluia. Dis à ton ami, blessure intérieure. Tu n'as rien, mais tu veux montrer que toi, tu es. Non, sois simple, sois ce que tu es. Il y en a aussi qui avaient des moyens, mais un jour, peut-être par circonstance de la vie, ils ont perdu. Ils veulent garder le standing. Ils veulent que tout le monde sache seulement que non, ah, quand on était, nous. Non, blessure intérieure. Il n'a pas supporté le fait de manquer. Bien aimé, dans la vie, on peut avoir. Dans la vie, on peut manquer. Paul dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Un autre symptôme, esprit dominateur. Quand toi tu es là, il faut que tu domines tout le monde, qu'on sache que non, toi tu es là. Non, le pasteur vient de faire son entrée. Porte, élevez vos manteaux pour que le pasteur fasse son entrée. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit dominateur. On le voit même dans l'église aujourd'hui. Les gens qui courent après les titres, qui pensent que ce qui fait le ministère, c'est le titre, qu'on appelle archibishop. Bien-aimé, ce n'est pas ça qui fait de toi un archibishop.
évangéliste interplanétaire. Lui va dans toutes les planètes. Bien aimé dans le Seigneur. Peut-être que même en Bruxelles, ici, tu n'as jamais été. Ça, j'ai vu ça à Abidjan. Les gens ils se disent apôtres des nations, mais ils n'ont même pas franchi la frontière la plus proche qu'on appelle Noé. Pour ceux qui connaissent Abidjan, ils n'ont jamais été même à Noé. Mais évangéliste interplanétaire, lui, il va dans toutes les nations, dans toutes les planètes. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Esprit de domination, tu veux écraser, tu veux... Non. D'autres, ça se manifeste par l'entêtement. Il y a des gens qui sont têtus. Têtus comme des boucs. Tout ce que tu lui donnes comme conseil, même quand c'est censé, non. Il veut faire le contraire de ce que tu lui dis. Juste parce qu'il est têtu. Blessure. Est-ce que tu es têtu? Blessure intérieure. La têtutesse, la rigidité. Aussi l'incapacité d'apprendre. Pour toi, tu dis, non, moi je connais. Elle, là, cette petite-là ne peut pas m'enseigner. Quand on n'est pas enseignable, c'est aussi l'esprit, c'est aussi le signe de blessure intérieure. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une génération où a cessé de mépriser les jeunes parce que les jeunes sont en train de monter en flèche. Amen. Amen. Il faut avoir l'esprit enseignable, être humble. Instabilité d'humeur. Un jour, tu es gentil. Un autre jour, tu boutes. Personne n'est un mal fait, ne t'a rien fait. On ne t'a pas mal parlé, mais ce jour-là, je ne vois personne. Tu boutes. Même ton mari, tu ne veux pas le voir. Tes enfants, tu ne veux pas le voir. Tout le monde, tu ne veux voir personne. Blessure intérieure. Dis-moi à ton voisin, blessure intérieure. Et ça, on le voit à l'église. Oh là là, l'église, oh my God. Changement d'humeur pour un rien. Psst. Tu es blessé, ma soeur. Tu es blessé, mon frère. Ce sont des blessures. Toi-même, tu ne sais pas, mais ce sont des blessures. Tu dois les identifier pour en être guéri totalement au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tout le monde est là? Tu es versatile. Un jour, tu es chaud. Demain, tu es froid. On ne sait plus comment, où tu es situé, quoi. Est-ce que tu es l'église de l'Odyssée, chaud, froid, tiède, où Jésus va te vomir? Viens aimer dans le Seigneur. Non. Blessure. Souvent, les blessures font ça. Les blessures font que, bon, on veut... Vous savez, il y a des gens qui se plaisent dans cet état. Ils se plaisent dans la colère, par exemple. Une fois, tu poses la question, tu te fais, mais pourquoi tu te mets en colère? En réalité, il n'y a rien. Mais il aime être en colère. Voyez un couple qui fait 5 jours, une semaine, ils ne se parlent pas. Mais ils se plaisent au fait dans la colère, quoi. Le mari boude, la femme boude. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Quand vous creusez, rien. Mais ça boude. Dis à ton ami, blessure. Aïe, 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 aïe. Jésus, aide-nous, aide-nous. Le temps manquerait pour parler des soucis, de tristesse, des angoisses, des pleurs. Un des signes, un des symptômes de rejet, plutôt, de blessure, c'est vous avez du mal à sourire, vous avez du mal à éprouver la joie, vous êtes tout le temps triste, vous êtes tout le temps comme mélancolique, comme... Souvent, ce sont des blessures. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça, bien-aimés. La rébellion contre l'autorité. Toi, tu ne supportes pas l'autorité. Quand tu es marié, c'est le mari qui est ton autorité. La Bible dit l'homme est le chef de la femme. Mais tu ne supportes pas son autorité. Quelqu'un qui a du mal à supporter l'autorité de l'homme aura du mal à supporter toute autorité. Le policier, tu ne le respecteras pas. Le pasteur à l'église, tu ne le respecteras pas. Pourquoi? Parce que tu as du mal avec l'autorité. Et c'est un signe de blessure. Tout ce que le mari dit, tu es rebelle. Bien-aimé, attention. Blessure. Alors, un autre grand point. Je vais aller vite à cause du temps. Les causes des blessures. Quelles sont les causes? C'est une veillée, hein? Une veillée d'enseignement et puis nous allons prier.
C'est important. Très souvent, on n'a pas le temps de rentrer en profondeur dans ce genre de choses. Et il est important de prendre du temps et de parler, de décortiquer pour que nous soyons guéris. Dieu est venu, Jésus est venu pour nous guérir. Or, pour guérir, il faut d'abord montrer c'est quoi le problème et ensuite arriver à la guérison. Quelles sont les causes? Il y a plusieurs causes. J'ai réparti en trois grands points. Premièrement, vous avez les chocs ou les déceptions d'ordre affectif. Les chocs et les déceptions d'ordre affectif. Tout ce qui touche au cœur, à l'affection. Pourquoi? Parce que l'homme est un être social. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé par Dieu pour être aimé et pour aimer. Tu dois aimer et tu dois être aimé. J'ai déjà enseigné ça lorsque je parlais de comment sortir du rejet, par exemple. Dieu nous a créés pour cela. Maintenant, les causes des blessures intérieures sont multiples. Premièrement, vous avez le rejet. Une personne qui est rejetée, forcément sera blessée dans son cœur. Pourquoi il y en a qui se comportent comme ça? On a vu les symptômes, mais quelles sont les sources, les origines de ces problèmes, de ces blessures dans le cœur? Vous avez premièrement le rejet, l'incapacité d'aimer les autres, l'incapacité d'aimer son mari. Il y a des gens qui ont du mal à aimer leur mari, à aimer leur femme, à aimer leurs enfants. Il y a des blessures intérieures qui font que tu ne supportes pas tes enfants. Tu dois aimer. La Bible dit, mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Parents, aimez vos enfants. Enseignez-leur de selon la voie du Seigneur. Ne les irritez pas. Or, quand on les irrite, c'est que quelque part, il y a un problème. Une autre cause. Vous avez l'abandon. Un enfant qui a été abandonné par ses parents, par exemple, ou par l'un d'eux, va développer des blessures intérieures. Nous rencontrons beaucoup dans nos temps chrétiens des enfants qui pleurent, qui souffrent parce qu'ils ont été abandonnés, rejetés par leurs parents. Un enfant qui a été, par exemple, maltraité dans son jeune âge ou maltraité suite à un divorce. L'enfant a grandi chez la belle-mère, par exemple, et il y a eu injustice entre les enfants de la belle-mère et l'enfant. Et cela cause, en général, les blessures. Et cela se manifeste par des comportements de rébellion de l'enfant. Très souvent, quand les enfants sont rebelles, ne les accusez pas d'emblée. Essayez de voir qu'est-ce qui les amène dans la rébellion. Très souvent, ce sont des blessures cachées qui se révèlent ou qui se manifestent par la rébellion. Vous êtes là à punir l'enfant qui se manifeste comme rebelle, mais quelque part, l'enfant n'a pas reçu l'amour du père, l'amour d'une mère. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les parents ici savent dire à leurs enfants « je t'aime » ? Très peu on dit déjà. Nous déjà en Afrique, on n'a pas grandi avec cette culture. Toi, ton père te dit « je t'aime ». Ah. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu. Toi, tu as entendu ça. Quand je dis « je suis blessé », c'est ça aussi. « Je suis blessé ». Oh, Jésus, guéris-moi. Alléluia. Mais je me force, moi, mes enfants, je leur dis « je t'aime », même si des fois ça sort difficilement. Mais ah, « je t'aime, et toi là ». La Bible dit qu'on ne donne que ce que l'on a reçu. Si tu n'as pas reçu l'amour, il te sera difficile de donner l'amour. Et c'est pourquoi changeons les choses, bien-aimés. Changeons les choses. Amen. Est-ce que je peux continuer? La perte d'un être cher. Vous avez perdu quelqu'un que vous aimez trop dans la famille. Un ami, un proche, un mari, une femme. Une personne sur qui l'espoir était fondé. Cela amène aussi des blessures. Lorsque vous avez une grossesse non désirée, l'enfant dans votre sein va ressentir, va avoir des blessures intérieures. Bien aimé, les enfants, il y a certains enfants que vous voyez des délinquants aujourd'hui qui font n'importe quoi. Ne les accusez pas promptement, rapidement. Certainement, il y en a qui ont été des enfants non désirés. Et ils ont grandi avec ce genre de blessures dans leur cœur. Et cela se traduit et se manifeste par tout ce qu'ils font. Des actes de violence, ils brûlent les voitures, ils font tout et n'importe quoi. Tout ça parce qu'ils ont des blessures intérieures. Un enfant, par exemple, qui n'a pas été reconnu par ses parents. Vous avez des parents comme ça, des parents irresponsables, qui vont engrosser une fille et on vient l'attraper. On dit, c'est toi le père de l'enfant. Il dit, non, je ne connais pas cet enfant, c'est pas moi. Elisabeth m'a trompé, c'est pas moi. Bien aimé, cet enfant-là que cette femme va avoir, va
va concevoir aura forcément des blessures intérieures. Alléluia. Veillez à cela. D'ailleurs, chez un chrétien, ce n'est pas conseillé d'avoir, de faire un enfant sans être marié. Vous savez ça, non? Il n'y a pas d'amen ici? Gloire à Dieu. Tout le monde va passer par le mariage. La stérilité dans un mariage stable. Vous avez des femmes qui sont stériles dans le mariage. Ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et il y a la pression de la famille, la pression de tout le monde. Il va développer des blessures intérieures. La Bible nous parle de Sarah, la Bible nous parle de Rachel. Regardez le cas de Anne. Anne, dont Pénine a été en train de mortifier l'âme tous les jours parce qu'elle était stérile. Très souvent, les femmes stériles transportent dans leur cœur des blessures. Au point même où, lorsque Anne pleurait devant le temple, dans le temple, Élie pensait qu'elle était ivre, alors que c'était l'excès de sa douleur. Elle avait une plaie profonde. Bien-aimé, des blessures, c'est grave. Le divorce des parents. Il y a des parents qui divorcent et ça affecte les enfants. Combien je vois des parents qui arrivent à un certain âge, et je vois qu'actuellement c'est devenu comme un fléau. Les parents d'un certain âge, 50 ans, 60 ans, qui acceptent de divorcer facilement après les enfants ont grandi. Et cela amène des lésions, des blessures dans le cœur. Et un homme à 60 ans qui va tomber encore amoureux. C'est bizarre. Et très souvent, quand il va tomber amoureux, il ne va pas tomber amoureux d'une femme de son âge. Il va aller chercher les gamines là, qui ont l'âge, qui peuvent avoir l'âge de sa fille, de leur fils. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses terribles qui arrivent et qui brisent les familles. Si les blessures ne sont pas guéries, frères et sœurs, le diable va faire des dégâts. Et il utilise des blessures intérieures pour faire des dégâts. Amen. Amen, 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 amen. Les mauvais traitements, lorsque les parents maltraitent les enfants, toi, tu as ton enfant, tu ne fais que l'insulter. Tu ne fais que le rabaisser. Tu ne fais que l'humilier. D'ailleurs, toi, là, regarde, tu as une grosse tête comme ton père. En réalité, tu insultes son père, mais tu passes par l'enfant. Parce que si ce jour-là, le papa t'a énervé, les gars sont nés comme son père. Alléluia. Alléluia. Faites comme ça. Blessure intérieure. Dis, j'ai besoin de la guérison. Non, fais avec moi. J'ai besoin de la guérison. Maltraiter les enfants. Les insulter. Les frapper violemment. Un enfant doit être puni. La Bible demande de punir les enfants. Je ne suis pas d'accord avec cette philosophie qui arrive dans nos pays occidentaux qui donne le pouvoir à nos gouvernements d'arracher nos enfants en cas de punition des parents. Au jour d'aujourd'hui, quand un parent punit son enfant, l'enfant peut appeler la police et on vous met en prison. Au Canada, aux États-Unis, c'est grave. On appelle le 911. La police descend tout de suite et l'enfant est parti. Alors que la Bible nous dit que tu ne dois pas retirer la verge de ton enfant. Il faut apprendre à corriger les enfants. Mais d'abord, avertissez-les. Mais s'ils ne comprennent pas, tu mets une petite... Comment on appelle ça? Des fessées. Dis à ton ami, c'est biblique. Dis-lui, c'est biblique. Maman, papa, c'est biblique. Non, toi, tu ne tapes pas. Moi, je connais quelqu'un. Lui, quand il tape ses enfants, il fait comme ça. En fait, il tape pas, mais il fait comme... Donc, l'enfant, du coup, se moque même de papa. Hein? Au lieu de taper. Toi là. Arrête. Bien-aimé, la Bible parle de la verge. Amen. Gloire à Dieu. C'est terrible. Évitez de frapper, évitez d'insulter, d'humilier les enfants. Non. Vous avez d'autres blessures qui viennent par des perversions sexuelles telles que l'inceste. Un enfant qui a commis l'inceste ou le viol, ça amène beaucoup de blessures. Tu étais dans une relation amoureuse de fiançailles, par exemple. Tu t'es fiancé, tu t'es proche de quelqu'un et subitement tu brises le lien. Ça peut amener des blessures intérieures. C'est pourquoi réfléchissez avant de vous engager dans des relations. N'allez pas de relation en relation. Non, Dieu m'a dit c'est là-bas, tu pars et puis deux, trois mois après. Non, ce n'est plus la volonté de Dieu, je change. Je vais là-bas. Non, c'est plus la volonté de Dieu. Tu brises comme ça, tu vas aussi amener trop de blessures intérieures dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Aïe, on me répond pas. Hein? La trahison. Tu es avec un ami intime, tu trahis l'amitié.
L'amitié qui s'est trahie, ça mène aussi des blessures intérieures. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ingratitude. Quelqu'un que tu as aidé, comme beaucoup ici, tu as soutenu quelqu'un, tu as aidé quelqu'un qui était en difficulté, tu as fait venir quelqu'un du bled jusqu'ici, tu l'as nourri, tu l'as aidé. Et voilà, maintenant il devient son ennemi. Voilà, maintenant il se lève contre toi. Bien-aimé, combien souffrent dans cette situation? Combien se retrouvent dans des situations pareilles? Des gens qu'ils ont aidés, mais qui se sont retournés contre eux. Bien-aimé, l'ingratitude. Vous savez, quand vous avez aidé quelqu'un, vous attendez juste une seule chose, la reconnaissance. Alléluia. Juste qu'on vous dise merci. Même si tu ne me donneras pas tout ce que je t'ai donné, au moins me dire merci. Dis à ton ami, je te dis merci. Non, je sais pourquoi je dis, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à dire merci. Dis le reste, on va dire lui merci, merci. En fait, tu as dit merci à Dieu, quoi. Hein? Merci aux gens. Parce que merci, pardon, s'il vous plaît, excusez-moi, ça disparaît. On te cogne comme ça, dit, il y a quoi? Mais non, tu m'as cogné, excuse-toi. Hey, maintenant, il y a quoi? Et si tu veux parler aussi, c'est la bagarre. Vous n'avez jamais vu ça à Paris? Moi, j'ai vu ça dans l'avion. Hein? J'étais dans l'avion, je me gratte juste comme ça, quelqu'un vient me tape dans la tête. J'étais avec des bien-aimés, on partait en Martinique. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai failli réagir, j'ai pensé au bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit non, le vieil homme allait revenir. Comme on dit dans une autre langue maternelle, tu as eu de la chance à Biki. Alléluia. Alléluia. Non, mais je vous assure, les gens, il t'a fait mal, mais au moins excuse-toi. Il y a quoi? Vous connaissez ça, non? Quelqu'un il a mal conduit, il a mal conduit la voiture, tu klaxonnes comme ça, il se lève. Maintenant, si toi tu n'as pas la maîtrise, en plus c'est un dimanche, tu viens au culte, toi aussi tu t'énerves et il vole ta paix. Blessure. Attention. Amen. Amen. Deux autres cas. Vous avez les échecs sexuels dans les couples. Il y a beaucoup de couples dont le mari ou la femme se retrouve dans des blessures intérieures parce que sur le plan intime, il y a des difficultés. Très souvent, la cause des divorces vient de là. Même si dans certains couples, on ne le dit pas ouvertement, mais souvent, ça vient de là. Alléluia. C'est pourquoi il faut veiller. S'il y a des problèmes, des difficultés, il faut voir des responsables spirituels prier parce qu'il peut avoir problème d'impuissance, il peut avoir problème de frigidité qui nécessite la prière et une prière de délivrance. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, l'homme est toujours fâché. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien, mais il est toujours fâché. Donc là-bas, ça n'assure pas. La femme toujours fâchée, là-bas, ça n'assure pas. Mais ici, à l'église, on te dit que c'est des attaques. Ce ne sont pas les attaques, ce sont les blessures intérieures. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Non, parce qu'il y a des choses, on ne dit pas. Hein? Il y a des colères mystiques, des colères bizarres. Il faut être spirituel pour déceler l'origine de colère. Amen ou pas amen? Ça va? Est-ce qu'on peut continuer? Les échecs dans le couple, bien-aimé, sur le plan intime, ça amène les blessures. Je vous dis la vérité. Je connais quelqu'un qui m'a dit, pasteur, moi ça fait longtemps, je suis dans ce mariage, je suis pas comblé, donc je m'en vais. Oh, non, papa, non, ne quitte pas le ménage. C'est un problème spirituel qui se traite spirituellement. Parce que quand il y a des problèmes de présence de mari de nuit, de femme de nuit dans un couple, vous avez ces problèmes qui sont fréquents. Et ça mène des frustrations, ça mène des douleurs, ça mène des pleurs. Et on ne comprend pas. Problème sur problème. C'est ta grâce qui me sauve. Je sens que je veux que je m'arrête. On va prier. Je vais continuer ce demain dimanche. Amen. Qui me sauve. Je l'ai senti par mon esprit. On va s'arrêter là. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Je continuerai sur les causes. Je vais parler d'autres choses, mais je vais continuer sur ça. Dimanche, si sur les causes, et je terminerai par la guérison. Amen. La guérison. Jésus, et je crois que Dieu va aurait été indulgent devant la foi des tiers.